Mais conformisme me donne la chair de poule.
Émotif, mon corps a un sang d'encre. Bien se sentir comme quelqu'un de fort. Dans un groupe tribalisme, hindouisme, cannibale, athée même, chromosome, pourtant division. Géopolitico-scientifique, nord, sud, est, ouest, quartier, hutu, tutsi, génocide, barrage. Barrière, frontière, séparation, exclusion. Je ne veux plus te voir. Elle n'est pas ici ta place, c'est la cour des grands, tu vois. Philosophie, la noblesse, des palaces et des villas, culture, jean, basket. Non, tu n'entres pas. Vos papiers d'ailleurs, poète. Je refuse. Il n'y a aucun besoin de papier, non, je ne suis pas. Yasmin. Why you don't know what a diamond because you are? Yasmin. Qu'est-ce que ça fait de jouer comme ça en duo, un peu à nu devant les gens et... Alors, pour te dire et pour te répondre très sincèrement, c'est un exercice pas du tout facile. C'est pas facile du tout de jouer comme ça parce qu'il y a des textes où il n'y avait pas du tout d'accompagnement, tu vois. C'était juste moi et le public. C'est un exercice très difficile, mais moi j'aime parce que j'ai envie de capter les gens et d'amener l'émotion à travers les mots, de toucher les gens avec les mots, rien qu'avec les mots. Donc tout ce qui est accompagnement, si tu veux, moi c'est de l'habillage pour attirer en quelque sorte d'autres personnes qui ne sont pas captées par les mots et de les amener, puis par d'autres moments, les diriger directement par ce que je veux. Moi c'est l'oralité, c'est ça mon truc, l'oralité. Le plus important dans tout ça, c'est l'oralité. Ouais. Et si je te dis que finalement des gens comme moi qui ne comprennent pas forcément le shimaoré arrivent à être emportés par ta voix, sérieusement, sincèrement, par ta voix et par ton aura. Donc quelque part, comme tu dis, c'est vrai que c'est un habillage et on n'en a pas besoin. Mais est-ce que toi, tu en as besoin finalement? Moi, je pense que plus j'avance, plus je vais travailler autrement. Je vais travailler autrement, c'est-à-dire je vais plus mettre en valeur ma voix et les mots. Mais tout ce qui est musique, je laisserai ça pour d'autres occasions entre amis. Mais en tout cas, j'ai pris une direction, je me dirige dans ça, c'est-à-dire les mots. Juste les mots. Parce que pour moi, les mots, c'est plus fort que tout ça. Ouais. Arriver à toucher des gens, justement, comme toi tu dis, tu comprends pas forcément ce que je dis, mais t'arrives quand même à entrer dedans ce que j'expose. Ça me touche beaucoup et ça me fait plaisir. Yes, merci beaucoup pour ça.